never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last. Revoilà sur le site ZPerf, c'est là où je vais chercher toujours toutes les performances. Donc le M760 Eli de 610 chevaux, 800 Nm de couple, ce qui est plutôt pas mal, 93 chevaux par litre, 121 Nm par litre, Nm hein, bien sûr. Le prix neuf de base, 184 000 euros. Donc le Mana est évalué en 2022 à 205 000 euros. Donc elle a pris 20 000, un peu plus de 20 000 euros en 2022. Donc là, ça a dû augmenter. Donc 54 chevaux fiscaux. Donc les années de sortie, c'est 2016, 2017, 2018. C'est la fin de production. Qu'est-ce qu'on a comme autre info? Le poids en marche, 2352 kg, évidemment. C'est assez lourd, mais c'est normal. En consommation, on a 12,8 litres au 100, en sportif 20,6. On a en classe G, alors là, ça va piquer, en malus 294 grammes par kilomètre, ce qui est plutôt pas mal. Hein. La boîte de vitesse automatique 8 rapports en mode séquentiel. Donc ici, on voit le niveau de, les émissions de CO2, on est au max. Le cylindré, 6592 cm3, nombre de cylindres 12. Donc on va essayer de trouver une petite occasion. Donc celle-là, c'est la bonne année, c'est la bonne puissance, donc c'est le bon modèle. Donc ici on voit 59 990 euros d'occasion. Regardez deux trois petites photos pour voir. Elle est plutôt propre. Voilà, 119 000 km. Ça va. Intérieur blanc en cuir avec les petits losanges, oh, c'est pas mal. Oh, elle est belle. Donc, ce qui nous annonce le prix de vente, on est loin en fait. 59 000 euros, c'est le prix réel. Et l'annonce, elle est mise depuis. Je sais pas, c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. Vitesse max 250 km/h en 3 secondes 7 de 0 à 100. Bon, après tout ça c'est limité donc on peut pas trop se rendre compte. Encore 2-3 petites occasions, on voit 104 000 pour du 70 000 km. Celle-là c'est pareil, c'est une série 7. Donc 51 000 km, là on est à 91 000. Celle-là ça va encore. Celle-là aussi, 88 000. Alors, c'est pas un modèle sport, hein, c'est une série 7. Plutôt pas mal avec le X-Drive. Petite Axel pour voir un peu ce que ça donne.
cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Cette magnifique voiture. Likez, partagez un maximum. Abonnez-vous. Prochaine vidéo. Salut.